Dans cette capsule-ci, j'aimerais parler du modèle de création de valeur utilisé par la grande majorité des PME. Le modèle de création de valeur, comme vous le voyez, est souvent la source d'inspiration pour les PME pour créer une entreprise ou créer leurs produits ou services. C'est ce que j'appelle le copy-paste. Souvent, une PME va être créée par un entrepreneur qui a travaillé dans un secteur d'activité, qui va partir une entreprise dans le même secteur d'activité en croyant faire mieux que ce que ses ex-employeurs faisaient. Fait que c'est souvent le domaine qu'on crée une entreprise où, par exemple, on achète une entreprise. Cette entreprise-là, cette PME-là, offrait des produits et services, mais en réalité, la source d'inspiration pour la création de ces produits et services-là était toujours le copy-paste. En fait, on copie ce que nos concurrents font en croyant offrir mieux, mais aux yeux des clients, lorsque les clients regardent l'offre offerte par notre PME, l'offre est très, 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 très peu distinctive. C'est un peu comme la mère des deux jumelles que vous voyez à l'écran. Elle voit une grande différence, la mère étant l'entrepreneur, mais pour la personne sur la rue qui voit les deux petites jumelles, on n'est pas capable de voir la différence, laquelle est laquelle. C'est la même chose pour vos clients. Lorsqu'ils regardent votre offre de produits et services, vous n'êtes absolument pas distinctif, même si dans votre esprit vous pensez de l'être, ça ne l'est pas, parce que quand on copie, qu'on pense faire mieux, bien, souvent, le mieux n'est pas très, très, se différencie peu. Donc, ce qui amène une difficulté importante, lorsqu'un client a plusieurs offres devant lui, offres de produits et services, et à ses yeux, ces offres-là sont très, très, très similaires, le critère de décision du client devient relativement simple. Le critère de décision va se baser souvent sur le meilleur prix. Donc, et c'est là que les difficultés pour la PME commencent, parce que ça explique aussi pourquoi la majorité des PME ont des marges de profit très, 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 très minces, parce que c'est un peu différencié en termes d'offres. L'offre étant très peu différenciée, bien, le client nous choisit principalement sur un critère de prix, en fait le meilleur prix, le prix le plus bas, ce qui fait en sorte que pour offrir ce prix le plus bas-là, ben je vais manger dans ma marge de profit, ce qui explique encore une fois en grande partie pourquoi nos marges de profit dans la PME sont très, très, très petites. Un des facteurs importants que je dis souvent, si on se bat sur le prix comme PME ou comme même grande entreprise, et notre système opérationnel n'a pas été conçu pour ça, parce que oui, le prix est un des 8 critères de compétitivité. On peut concevoir un système opérationnel pour offrir un meilleur prix à nos clients. Toutefois, dans la majorité des cas, malheureusement, notre système opérationnel a été basé pour être flexible, pour essayer de faire de la qualité, pour essayer d'offrir le meilleur prix, le plus bas prix possible, etc. Actuellement, les entreprises jouent sur plusieurs critères. Je vais aborder ce sujet-là dans une nouvelle capsule. En jouant sur plusieurs critères et en essayant toujours d'offrir le plus bas prix, malheureusement, encore une fois, c'est ce que j'appelle jouer avec les poignées de Satan. En fait, c'est le début de la fin, c'est une spirale continue parce que trop souvent, malheureusement, quand on parle de meilleur prix ou de plus bas prix, il y a toujours une entreprise, un concurrent qui ne sait pas compter, qui va arriver avec un meilleur prix, qui va arriver avec un prix plus bas. Oui, peut-être que ce concurrent-là va être capable de faire ça pendant un an, deux ans, trois ans. Par la suite, va se mettre sur la route, la protection de la faillite va disparaître. Il y a toujours un nouveau joueur qui va apparaître et qui va être capable d'offrir, encore une fois, un plus bas prix. Donc, le fait de ne pas être différencié, le fait d'ouvrir la porte au client à négocier uniquement sur le prix, bien, ça ne permet pas à l'entreprise de générer, de créer de la valeur. Quand on parle de création de valeur, il y a deux stratégies. Stratégie océan rouge. Océan rouge, ça veut dire qu'on joue dans la concurrence, qu'on est dans un marché en pleine concurrence, marché dans lequel notre offre, encore une fois, se différencie peu, fait qu'on essaie de concurrencer sur certains critères, 8 critères que je vous présenterai plus tard dans une nouvelle capsule. Et il y a la stratégie océan bleu, donc de réinventer notre modèle d'affaires pour cesser d'avoir une offre, en fin de compte, différenciée aux yeux du client. Ça devient très, très clair pour que le client, que notre offre est différente, pas à nos yeux, mais vraiment aux yeux du client. Donc, je parlerai aussi dans une nouvelle capsule de la façon de créer un océan bleu. Ça termine pour cette capsule-ci, donc le modèle de création de valeur que j'appelle le copy-paste. Et je vous invite à nous visiter de nouveau pour regarder notre nouvelle capsule qui va parler des sujets toujours de la planification stratégique. Je vous remercie et à la prochaine capsule.